مشي حنو يا نهي كهيلة تنو كل ما يوتي ملقراتو العزيز ربي دا بيتو شري كل مش بحد بيتو كل حد ويبتو مقبلة فيلاتو لفني لوكي Combien, mes amis, avec l'aide de Dieu, il faut faire attention d'avoir l'habitude de prier à Hachem. Il faut toujours prier. On ne sait jamais qu'est-ce que tu peux avoir besoin. Toujours être, toujours avoir cette habitude de prier toujours à Kadosh Baruch Hu. C'est pareil que lorsque tu as besoin de lui, tu pries. Il y a beaucoup de gens, ils viennent chez nous avec lorsqu'ils sont malades. Lorsqu'ils sont en bonne santé, on ne les voit pas. Ils viennent chez nous lorsqu'ils ont un problème. Lorsqu'ils n'ont pas de problème, ils ne viennent pas. On ne les voit pas. Il faut toujours prier à Hachem. Il faut toujours être prêt. Toujours avoir la clé de la prière. Vous savez, Rabotai, il faut beaucoup de fois, on ne profite pas assez des prières. Il y a beaucoup de fois des gens, ils demandent toujours l'argent. Ils demandent, Hachem, envoie-moi un taxi, Hachem. Demandez aussi d'autres choses. N'oubliez pas de demander les enfants, que les enfants, ils seront toujours en bonne santé, que les enfants, toujours, ils seront dans la Torah. C'est important. Il ne faut pas attendre que jusqu'à ton fils Leicester, il devient drogué ou bien il commence à faire des bêtises. Et c'est là que tu vas commencer à prier à Kadosh Baruch Hu. Non! Et beaucoup de fois, mes amis, les enfants, on dit toujours, « Ah, c'est un enfant !» Lorsque les enfants ils font des bêtises, qu'est-ce qu'on dit ?« Ah, c'est un enfant !» Que Dieu préserve. Il faut prier pour lui, pour ne pas que ces bêtises qu'il fait, il les refait. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas prier à Kadosh Baruch Hu que des choses graves qui arrivent. Non, il faut toujours prier, il faut ne prier. Hachem vous a donné une bouche pour prier. Au lieu d'utiliser la bouche pour demander des choses importantes, on utilise la bouche pour demander des choses qui ne sont pas importantes. Le Hafiz Haïm, il raconte, il y avait une fois quelqu'un qui était sur son chemin, il entend « au secours », il va, il voit c'était un monsieur que son chariot il s'est renversé et le chariot était sur le monsieur. Il s'est avéré que ce monsieur-là, c'était un roi, le roi, en personne. Donc il a sauvé la vie. Le roi lui dit, tu viens chez moi, je te paye. Je vais te donner récompense, t'as rien, mais je te donne récompense. Quelques temps plus tard, ce juif-là, il s'est rappelé ce qu'il a fait au roi. Il va chez le roi pour le rendre visite. Le roi l'accueille. T'es heureux de le voir. Il lui dit, mais merci de m'avoir sauvé la vie. Que je peux faire pour toi? Dit que je peux faire pour moi. Ben, Majesté, ce que tu peux faire pour moi, tu sais que j'ai un problème avec le rabbin de la synagogue. Ah bon? Quel problème tu as avec le rabbin de la synagogue? Parce que le rabbin de la synagogue, il a décidé de renouveler le décor de la synagogue et il m'a déçu. Il était déçu. En quoi? Parce que à l'entrée de la synagogue, il y avait là-bas un clou. Et chaque fois que je venais, je me grattais le doigt avec ce clou-là. Ah! Parce que vous savez, Majesté, j'ai un côté dans mon dos qui me fait gratter. Et ce clou-là, il m'a porté bonheur. Il m'a porté, si Majesté, tu peux donner l'ordre qu'on remet ce clou à sa place. Le roi, il commence à rigoler. Il commence à s'énerver. Espèce de fou. Au lieu que tu me demandes que je te construis une villa, au lieu que tu me demandes que je te construis une maison, que je t'aide à avoir un business, tu me parles d'un clou. C'est ça ta demande au roi. Mes amis, combien de fois, mes amis, à Hachem, on a l'opportunité de demander à Kadosh Baruch Hu des choses plus importantes, la santé, la joie, le shalom, une bonne panacea. Qu'est-ce qu'on nous demande? Des bêtises. On ne demande pas des choses... Au lieu qu'on demande Mashiach, au lieu qu'on demande, il y a des belles choses, il y a beaucoup de bonnes choses à demander à Kadosh Baruch Hu. Hachem, t'as pas demandé, t'as pas créé la bouche pour que tu lui demandes des bêtises. Tu
lorsque tu peux utiliser ta bouche à des bonnes choses, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Comme ce monsieur-là, il se plaint d'un clou que le rabbin a enlevé, au lieu qu'il demande autre chose plus importante que le clou, mes amis. Malheureusement, la bouche, on a habitué la bouche à parler. Après, c'est très dur après de savoir la réalité. Ce monsieur-là, il s'est habitué toujours à parler à la maison que du clou, du clou, du clou, jusqu'à quand même au moment qu'il doit parler au roi des choses plus importantes, à quoi il lui parle, et que là, il parle d'un clou que le rabbin a enlevé, et que s'il peut donner l'ordre au rabbin de remettre ce clou. C'est de la folie, ça, c'est de la folie. Lorsque mes amis ont fait Pessah, qu'est-ce qu'on dit? On dit que chacun, que chacun doit, de plus que tu parles de la sortie de l'Égypte, c'est bien. Pourquoi? Pourquoi on nous dit ça? Parce que Hachem, il veut qu'on s'habitue que pendant toute l'année, on parle de la sortie de l'Égypte pour vivre les beaux moments que Hachem a fait avec les peuples juifs lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Et tout cela, c'est à partir de Pessah. Donc, à Pessah, on réagit bien le nes que Hachem, le miracle que Hachem avait avec à Pessah. Alors, on peut comprendre ce fameux miracle pour toute l'année, et toute l'année, on va en profiter. Et de plus, mes amis, on habitue la bouche à parler que des bonnes choses. On habitue les enfants à parler que des bonnes choses. Parce que pense bien, tu dis bien. Donc, le fait qu'on pense à Pessah, de parler sur Pessah, et on parle sur Pessah, c'est Harizé Mishouba, c'est formidable, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que tu avais habitué ta bouche à donner des éloges à Akash Borou et à demander à Akash Borou que des bonnes choses. Que le bon Dieu protège, que le bon Dieu met dans votre bouche que des bonnes choses à lui demander. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خون.